Shambha, Shambha.
Yeah.
Namaskaram à tous. Où que vous soyez, j'espère que vous restez tous en bonne santé à la maison. C'est incroyable, tout un tas de gens qui se demandent comment rester à la maison. Comment rester à la maison sans conflit? Eh bien, c'est la raison pour laquelle il est important pour un être humain d'apprendre à fermer les yeux et à s'asseoir. Vous ne connaissez aucune méditation, ça n'a pas d'importance. Fermez juste les yeux et asseyez-vous tout simplement. Le but de fermer les yeux est simplement ceci. Si vous ouvrez les yeux, il y a des données qui arrivent des cinq organes sensoriels, mais les données visuelles sont les plus fortes. Les données qui ont le plus d'impact pour les êtres humains sont les données visuelles. Imaginez que vous soyez... Aujourd'hui, tout est politiquement sensible. Mais imaginez que vous soyez un chien. On n'utilise en rien le mot « chien » de façon péjorative. Parce qu'il y a tout un tas d'idiots là-dehors, si vous dites « chien », « oh, il a dit chien, il nous a appelé chien ». De nos jours, les chiens sont extrêmement valorisés, on s'en occupe mieux qu'on ne s'occupe des hommes. C'est comme ça. Donc disons que vous êtes un chien. Alors, vous verriez, vos impressions du monde seraient plus en termes d'odeur. Vous ne voyez pas les choses aussi bien que les êtres humains. Mais ils les sentent, tous les carnivores sont comme ça. Si vous avez déjà été dans la jungle, vous verrez que s'ils veulent savoir quelque chose, ils mettent leur nez en l'air. Ils n'essaient pas de voir, parce que leur vue n'est pas aussi bonne que leur odorat. Leur odorat est extrêmement fin, et ils peuvent vous sentir à un kilomètre. Ils n'ont pas besoin de vous voir, juste en vous sentant, ils savent. Mais pour l'être humain, l'appareil visuel étant dominant, en fermant les yeux et en vous asseyant, lentement vous allez arriver à un point où, si vous fermez les yeux, le monde a disparu. Si vous faites simplement ceci dans votre vie, vous verrez que vous naviguerez à travers n'importe quel genre de situation dans la vie. La vie et la mort ne sont pas un problème si vous avez juste cette capacité que lorsque vous fermez les yeux, le monde disparaît. C'est ça l'idée quand vous fermez les yeux. Si vous fermez ces obturateurs, vous ne devriez pas voir, parce que l'œil n'est qu'une caméra. Si vous mettez le capuchon devant l'objectif, il ne devrait pas capturer quoi que ce soit. Mais les yeux fermés, la mémoire joue sans cesse, à partir de ce que nous avons déjà accumulé. Donc, c'est là qu'est le tourment. À cause de cela, si vous avez du travail, vous aurez des problèmes. Si vous n'avez pas de travail, vous aurez des problèmes. Ceci est un moment test. Pas parce que vous êtes à la maison. C'est un moment test parce que comment traverser cette situation sans que la nation et le monde soient lourdement, vous savez, infectés par ce virus. Comment faire en sorte qu'il ne fasse pas de très nombreuses morts dans nos sociétés? C'est ça le défi. Il y a beaucoup à faire pour ça. Mais en ce moment, tout un tas d'êtres humains se plaignent. Comment être en famille? Comment être à la maison? Quand la maison est-elle devenue un endroit si terrible? Non, non, il ne s'agit pas de la maison. Vous verrez, si vous fermez les yeux et vous asseyez, ça va devenir encore plus terrible. C'est vous. Je plains vraiment les autres membres de la famille.
Si, lorsque vous fermez les yeux, vous vous torturez. Si vous ouvrez les yeux, de toute évidence, vous allez torturer les autres. Si vos yeux sont ouverts, vous allez torturer ces gens. Les yeux fermés, vous allez vous torturer vous-même. Vous devez comprendre ceci. Si vous êtes assis tranquillement quelque part, ce qui se passe dans votre mental, si vous êtes sincère là-dessus, et prêtez attention à ce qui se passe, ou s'il y a une façon d'enregistrer cela et que vous l'enregistrez et ne le dites à personne, c'est votre mental. Vous le donnez à un expert, ok? À un psychanalyste ou qui que ce soit. Quiconque voit ça va dire, ceci est le mental d'un fou. C'est ainsi que la plupart des êtres humains se sont maintenus. C'est la raison pour laquelle ils doivent être occupés par quelque chose de façon compulsive. S'ils n'ont rien à faire, ils doivent avoir un hobby. Ils ne peuvent pas être assis à un endroit. Les gens font collection de vieilles clés, de vieux timbres, de vieux je ne sais quoi. Je n'ai rien contre tout ça, mais je veux que vous compreniez que vous essayez juste de gérer les conflits de votre mental. Rien ne marche, vous buvez, vous vous droguez. Eh bien, c'est le moment de vous occuper de ça. Comme vous ne l'avez pas fait vous-même, le virus et la police forcent les gens à rester chez eux. Aux États-Unis, toute l'armée est partout. L'armée des États-Unis est dans tous les États-Unis, dans toutes les villes, à renvoyer les gens chez eux. Donc maintenant, ça a lieu de force. Au moins, utilisez cette période pour vous tourner vers l'intérieur, pour fermer les yeux et vous asseoir. Comprenez simplement quelle est la nature de votre mental. Vous ne le saurez que si vous fermez les yeux. Autrement, vous allez continuer à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde en permanence. Donc, ce que nous faisons, ce simple mantra, vous devez comprendre que ce qu'on appelle un mantra est simplement une certaine géométrie sonore. S'il est prononcé comme il faut, ce mantra est spécialement conçu pour générer ce qui s'appelle Samat Prana. Il y a cinq dimensions de Prana Vayu dans le système. Samat Prana est ce qui est responsable du processus respiratoire et du processus de pensée, et ça génère de la chaleur. C'est le Prana Vayu qui est fondamentalement responsable du processus respiratoire et du processus de pensée. Mais sans le feu du Samat Prana, Prana Vayu ne peut pas fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle n'importe quel kriya ou pranayam que vous faites, la première chose est de générer de la chaleur, parce que sans générer dushna, les autres dimensions ne peuvent pas vraiment décoller. Donc, une chose est de générer de la chaleur parce que cela va aussi considérablement renforcer le système immunitaire. Ne pensons pas que maintenant je fais mes kriyas donc je peux sortir de façon irresponsable. Non, je n'ai jamais dit que vos kriyas ou vos mantras sont une solution pour le corona. Ils n'en sont pas une. Ils renforcent votre système. Si vous ne les faites que maintenant par peur, ça va prendre 4 à 6 semaines pour véritablement se manifester. Mais si vous les faites régulièrement, vous pouvez sentir la différence dans la façon dont votre corps est bien plus résistant que celui de bien des gens. Donc, ce pack comprenant le mantra et Isha Kriya, qui va apporter de l'équilibre à votre système, je crois qu'il a été publié. Pas encore? Il va être publié aujourd'hui. S'il vous plaît, faites usage de cela où que vous soyez, parce que la vie nous a donné une pause. Utilisons-la pour notre bien-être. Ne traversons pas cette période dans la panique et la peur. S'il vous plaît, des questions, s'il y en a. Namaskaram Sadhguru. La première question est de Lavanya. Sadhguru, il y a 2 jours, vous avez dit que le virus ne veut pas vous tuer et votre corps est leur habitat. Quelques personnes qui se disent intellectuelles sur Twitter se moque de cette déclaration, hors de son contexte. Pouvez-vous apporter une clarification? Est-ce réellement vrai que le virus ne veut pas causer la mort? Eh bien, à part les êtres humains, aucune autre créature ne veut détruire son habitat. Il n'y a que les êtres humains.
qui sont connus pour faire ça. Donc ils ne le font pas non plus délibérément, ils le font inconsciemment. De même, le virus aussi le fait inconsciemment. Il veut vivre en vous, mais il exagère son action, et vous et moi pourrions mourir. Eh bien, je dois vous raconter ça. J'avais 17 ans, et à cet âge, vous savez, j'avais eu la rougeole, j'avais eu la typhoïde et une récidive, j'avais eu la varicelle. Voyez, j'ai une preuve sur le nez. Toutes sortes de choses, tout ce qu'un jeune enfant ou un garçon peut attraper. Mais dans tout ça, je n'ai jamais vraiment... Ça ne m'a jamais vraiment mis au tapis. Même lorsque j'ai eu une récidive de typhoïde, avec une forte fièvre, je jouais encore et faisais des choses. Le seul avantage, c'est que vous n'aviez pas allé à l'école. Donc j'aimais ces choses. Peu importe comment ils les appelaient, je les aimais vraiment parce que vous n'aviez pas allé à l'école, vous séchiez officiellement. Mais à 17 ans, j'ai attrapé le choléra. J'ai remarqué ce fichu truc, 24 heures après l'avoir remarqué, ça m'a juste cloué au sol et refroidi. Eh bien, je suis quasiment inconscient, j'entends ma mère, ma grand-mère, toutes en train de pleurer, « Oh, ce garçon est perdu, ce garçon est perdu !» Et ma grand-mère qui me touche le nez, « Mon Dieu, le nez est froid, c'est fini pour lui !» Tout le monde qui pleure, et mon père est... Il est médecin, il essaie de faire tout ce qu'il peut. Ensuite, deux autres médecins arrivent et... Vraiment, j'étais en train d'y passer complètement, en juste 2 heures. Mais le lendemain soir, je me suis redressé. Le deuxième jour, je me suis levé et j'ai commencé à vouloir sortir et ils ont dit, « Tu ne peux pas sortir » et ils m'ont enfermé dans la chambre. Mais j'ai dit, « Au moins, laissez-moi aller sur la terrasse pour que je puisse bouger un peu. » Alors, ils m'ont laissé aller sur la terrasse. Ça m'a un peu dérangé qu'un petit... Jusque-là, j'avais eu beaucoup de choses. Je les avais appréciées parce qu'elles m'avaient dispensé d'aller à l'école. Mais là, cette fichue chose m'avait assommé à tel point que j'étais presque mort. Donc je voulais savoir, ce n'est pas l'époque d'Internet et de Google où vous pouvez simplement demander. Donc je suis allé à la bibliothèque de l'école et je me suis renseigné auprès de la bibliothécaire et elle m'a donné un livre sur les pathogènes. Je n'avais jamais entendu ce mot jusque-là, parce que j'allais rarement en cours de biologie. Donc, j'ai lu ce livre en entier. Il comprenait diverses choses et ce qu'ils font et tout. Ensuite, ça m'a dérangé, la façon dont cette petite chose que je ne peux même pas voir peut m'assommer comme ça. Alors, je suis allé voir mon père pour discuter avec lui. C'était un médecin accompli. Et il m'a expliqué beaucoup de choses, et j'ai dit, je n'aime pas ça, cette fichue chose m'a quasiment tué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il m'a raconté beaucoup de choses sur ce que sont ces choses qui ne m'ont jamais quitté. Même maintenant, je me rappelle de chacun des mots qu'il a dit et ce que j'ai lu dans ce livre aussi. Parce que c'était un défi expérientiel pour moi. Ce qui m'était arrivé était une chose qui menaçait ma vie, donc... Je n'avais pas peur, mais c'était comme être battu dans un match de hockey ou de cricket, vous savez. C'est comme ça que je me sentais. Donc, que sont les pathogènes? Que ce soit une bactérie ou un virus, il y en a de toutes sortes. Une chose, c'est que, là maintenant, par exemple, le corona. Vous voyez, il vivait plutôt bien dans les animaux sans en tuer aucun. Maintenant, il a sauté sur l'être humain. Et il fait toujours la même chose que ce qu'il faisait dans d'autres animaux. Mais nous ne sommes pas capables de tenir le coup. Et nous nous effondrons. Eh bien, cela aussi a été clairement établi maintenant que la plupart des êtres humains dont les systèmes immunitaires sont bons s'en remettent.
Mais ceux qui ont un système immunitaire plus faible deviennent malheureusement victimes de ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'il veut vivre, mais il vit tellement agressivement qu'on a une chance de mourir. Eh bien, de nombreux scientifiques en parlent, mais même ce que j'ai lu à cette époque, je n'avais que 17 ans, je vous le rappelle, même à l'époque, c'était expliqué, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, autrement je l'aurais cité. Même à l'époque, ils expliquaient clairement que la plupart des virus et bactéries qui entrent en nous, qui sont en nous en ce moment, qui de bien des façons contribuent à notre processus de vie sans nous faire de mal, ils nous ont peut-être fait beaucoup de mal à une époque, mais ils comprennent que s'ils vivent comme ça, ils vont détruire leur propre habitat. Donc ils vont muter en quelque chose de plus doux, au bout d'un certain temps, et ensuite apprendre à vivre avec nous. Ils vivaient avec d'autres animaux confortablement, d'autres animaux survivaient confortablement avec eux. Ceci est la nature de la vie. Une chose est dans l'autre, une chose est dans l'autre, tant de formes de vie, des trillions de formes de vie sont toutes imbriquées les unes dans les autres. C'est aussi notre cas. Des trillions de bactéries et de virus vivent là-dedans à cet instant. Mais, par exemple, si vous faites un test Mantou, je parle des Indiens, parce que ces temps-ci, ces 3-4 dernières semaines, nous regardons qui est étranger et qui est indien, pas du fait d'une quelconque discrimination raciale. Nous voulons savoir d'où ils viennent, s'ils viennent d'Italie ou de Chine, d'où ils viennent. Voyez maintenant, l'Italie est devant la Chine. C'est une situation vraiment malheureuse. Mais par exemple, si vous faites un test Mantou à des Indiens, nous allons presque tous échouer au test Mantou. Le test Mantou est pour les bactéries de la tuberculose. Presque tous les Indiens vont échouer à ce test parce que nous avons tous des quantités importantes de bactéries de tuberculose en nous, mais nous ne sommes pas malades de la tuberculose. Eh bien, ils ont trouvé un autre nom, ils appellent ça complexe primaire ou autre, qui a lieu chez les enfants, mais où certains symptômes apparaissent. Nous avons tous cette bactérie, nous allons échouer au test Mantou, mais nous n'avons pas de symptômes de tuberculose en nous. Parce que nous avons appris à vivre avec elles, elles ont appris à vivre avec nous. Elles savent que si elles vivent de façon trop agressive, comme nous vivons sur cette planète en ce moment, elles savent qu'elles vont perdre leur habitat. Donc elles vont muter pour être une vie plus douce. Donc, ce n'est pas de la science de pointe, c'est là depuis toujours, c'est là depuis au moins une centaine d'années. Donc, ces gens qui prétendent être intellectuels, eh bien, on dirait qu'ils ne sont même pas allés au lycée, parce que j'étais au lycée à l'époque quand j'ai lu ceci. Cela faisait partie de notre bibliothèque, donc c'était probablement dans le livre de cours aussi, mais je ne l'ai pas lu. Peut-être que ces intellectuels ne sont même pas allés au lycée. Ils pensent que la qualification requise pour être sur Twitter est d'avoir un cerveau d'oiseau. Ils pensent que c'est la qualification requise pour tweeter. Eh bien, il est malheureux qu'à un moment comme celui-ci, où nous faisons face à un désastre imminent, pour la nation, pour le monde, à tel point que des pays déploient leurs forces armées contre leurs propres citoyens, à l'heure actuelle. Vous devez comprendre à quel point c'est grave. À quel point c'est grave que toute l'armée des États-Unis soit déployée pour empêcher les gens de sortir dans la rue. La police indienne est là, dans les rues, à imposer cela agressivement. C'est parce qu'ils réalisent à quel point la situation est grave. Mais même à un moment comme celui-ci, ces gens ne peuvent pas se lever et faire quelque chose d'utile et de positif pour quelqu'un autour d'eux. Tout ce qu'ils font, ce sont ces bêtises. Ils pensent qu'ils ont obtenu un doctorat ou qu'ils sont devenus doctorants sur Twitter.
Ils auraient dû devenir docteurs pour oiseaux, au moins. Eh bien, il est très malheureux qu'il y ait une tranche de la population qui se fiche de ce qui arrive aux gens autour d'eux, qui se fiche de ce qui arrive à la nation, qui se fiche de ce qui arrive au reste de l'humanité. Tout ce qu'ils ont, c'est leur propre vitriol à répandre du poison en permanence. Eh bien, j'espère qu'au moins le virus va les guérir de ce poison. Pendant ces quelques jours, où ils vont être avec eux-mêmes, j'espère qu'ils vont se lever et faire quelque chose d'utile. S'il vous plaît, faites quelque chose, qui que vous soyez, je ne sais pas qui ils sont, qui que vous soyez qui raconte ces bêtises. S'il vous plaît, faites quelque chose d'utile. Quel est le problème? Je sais quel est votre problème, je ne veux pas parler de ça maintenant. Là, tout de suite, il y a un désastre imminent. Si on ne gère pas cette situation comme il faut, nous nous dirigeons vers un désastre majeur, où des millions de vies pourraient simplement disparaître. Quand on est dans une telle situation, c'est tout ce que vous savez faire. Quand j'ai dit que ce n'est pas le moment de critiquer notre système de santé ou notre ministre de la santé, ce n'est pas le moment. C'est le moment pour tous de se lever et de faire quelque chose, n'importe quelle petite chose positive que nous pouvons faire dans nos vies. Parce que ce n'est pas un moment ordinaire. En tant que génération, nous n'avons jamais fait face à ce genre de situation. Il faut que les gens comprennent cela. Nous n'avons jamais fait face à ce genre de situation. Ceci est une urgence plus forte que les guerres que vous avez connues dans vos pays. C'est une urgence plus forte que tout ce que vous avez connu. Ça peut passer sans trop de dégâts si nous nous comportons de façon responsable et faisons les choses positives qui sont nécessaires. C'est ce que je leur demande aussi. Peu importe, même si la taille de leur cerveau est celle d'un oiseau. Ce que je dis, c'est que même les oiseaux peuvent contribuer. La prochaine question est de Manisha. Nous avons entendu que dans notre culture, il y a bien des façons de renforcer l'immunité avec les ressources locales disponibles à la maison. Pouvez-vous nous éclairer sur la façon d'augmenter sa résistance en utilisant des remèdes maison? Eh bien, renforcer l'immunité n'aura pas lieu en un jour, il faut le savoir. En général, je crois que, pour diverses raisons, si l'on regarde les modes de vie, si l'on regarde les habitudes alimentaires, je pense que cela doit être vérifié, médicalement. Je pense que les gens d'Inde du Sud ont un meilleur système immunitaire que tout un tas de gens dans le monde. Simplement du fait des habitudes alimentaires et des pratiques et du climat et de divers autres aspects. Vous devez comprendre que dans un climat tropical, il y a plus de formes de vie que partout ailleurs, y compris les micro-organismes. Il y en a beaucoup et de très nombreuses sortes. Donc rien qu'en vivant ici, le système devient plus résilient, parce que nous sommes exposés à ces choses en permanence. Cela est un aspect. Une autre chose est la nourriture, une autre sont les modes de vie. Tous ces aspects sont présents, étant des communautés agricoles en grande partie, la plupart d'entre nous, si pas à cette génération, à la génération d'avant, nous sommes tous issus de la communauté agricole. Donc les gens vivaient à la campagne, cela en soi leur donnait une très grande force. Dans la plupart des autres parties du monde, plus de 80% de la population s'est éloignée de l'agriculture, il y a probablement 100 ans. En Inde, nous n'avons commencé à quitter les campagnes que lors des 25-30 dernières années. Cet avantage est encore présent chez nous. Il ne va pas durer si tout le monde commence à vivre dans des immeubles sans être en contact avec le sol et commence à vivre comme des rats de laboratoire protégés de tout. Eh bien, notre immunité aussi va décroître. Mais je pense que nous avons toujours cet avantage. Mais là, maintenant, que puis-je faire pour booster mon immunité? Comme je l'ai dit, ce n'est pas une solution qui marche en un jour, mais sur la durée, vous pouvez y arriver. Eh bien, laissez-moi vous parler de choses qui sont très largement disponibles. Une chose, c'est, il faut que je dise ça, vous savez. Nous sommes du genre cendre sacrée. Nous sommes toujours enduits de cendres d'une manière ou d'une autre. Il y a différentes sortes de cendres, si vous savez comment les utiliser.
je ne peux pas donner des instructions là-dessus. Sur Internet, mais si vous apprenez à les utiliser comme il faut, ça aide. Le NIM est disponible dans quasiment tout le pays, à part dans les zones montagneuses. Consommez tous les jours des feuilles de NIM. Le curcuma est toujours disponible. Maintenant, ils fabriquent ce qui s'appelle le nano-curcuma, avec lequel le taux d'absorption est bien plus élevé qu'avec le curcuma habituel. Cela aussi renforce considérablement votre système immunitaire. Si vous faites tremper des groseilles ou de l'amla dans du miel pendant la nuit, avec du poivre en grain, du poivre noir ou du poivre vert, le poivre vert, pour ceux qui sont dans d'autres pays, le poivre vert n'est pas du piment. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est du poivre cru. La graine de poivre, lorsqu'elle est crue, que vous n'avez peut-être jamais vue dans la plupart des parties du monde, ici c'est une chose ordinaire, c'est disponible. Donc trempez ça dans du miel et tous les jours, environ 3 cuillères, 3 fois par jour. Toutes ces choses marchent, d'autant mieux que vous êtes à jeun. C'est la première chose que vous prenez. Si vous faites ces choses, vous pouvez constater un net renforcement de votre système immunitaire. Je dirais qu'en 4 à 8 semaines, on peut constater une nette amélioration de son système immunitaire. Il y a des pratiques yogiques qui sont difficiles à enseigner, mais là tout de suite, le simple fait de réciter un chant et de faire Isha Kriya, cela aussi va renforcer votre système immunitaire. Soyons très clairs là-dessus, ce n'est pas un traitement contre le coronavirus, ni une protection. J'ai récité le chant, donc je peux sortir et agir de façon irresponsable. Ça ne veut pas marcher comme ça. Ce sont des choses que vous faites sur la durée et qui renforcent votre système pour que, quand le prochain virus arrive, vous puissiez être un peu mieux préparé pour gérer cela, si vous êtes là. Oui, ne prenez pas cela à la légère. Ne prenez pas cela à la légère. À l'heure actuelle, c'est un défi pour chacun d'entre nous de rester en vie pendant cette période. C'est ce que ça veut dire. Ne pensez pas que c'est une chose éloignée qui arrive à quelqu'un d'autre, en Chine ou en Italie. À l'heure actuelle, si vous restez en vie dans ces 6 à 8 mois, cela veut dire que nous avons géré cela de façon responsable. Si chacun d'entre nous reste en vie, cela veut dire qu'on est bon, qu'on a vécu de façon consciente et responsable, c'est ce que ça veut dire. C'est malheureusement ce que les gouvernements doivent faire appliquer de force. Parce que tout un tas de gens semblent ne pas réaliser que cela est nécessaire. Et ils pensent que c'est une espèce de fiction. Ce n'est pas de la fiction. C'est un danger imminent que nous devons gérer comme ils font. Faisons le chant, s'il vous plaît. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarve Shambho, Shambho, Mahadevaya, Yoga, Yoga, Yogeshwaraya, Shambho.